Comment tu te sens aujourd'hui? Il fait chaud, comme vous pouvez le voir. Mon cuir est en train de bronzer. Il était un peu pâle, là il va devenir noir, je pense. Est-ce que j'ai un talent caché? Je parle très bien le belge. Je suis chaud comme une baraque à frites. C'est ça quand je parle belge. Quel est le dernier titre que tu as écouté aujourd'hui? I got a feeling, Black Eyed Peas. Quel est ton morceau préféré? Un jeune chanteur qui vient de commencer en France qui s'appelle David Carreira, au Brigade de la Famille. J'invite tout le monde à écouter. Quelle est ta plus grande peur? D'avoir un mauvais public. C'est la pire chose qui peut t'arriver. Grâce à Dieu, j'ai toujours un public. À chaque fois qu'on est sur scène, on s'amuse de ouf, normalement. Mais la pire chose, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, d'avoir un public qui... Ils peuvent être en train de kiffer, mais ils sont comme ça. Ils bougent pas. Ils ont dire qu'ils ont peur. Et ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Mais je pense que ce soir, on aura un public de ouf. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Un super pouvoir. Pouvoir savoir ce que pensent les femmes. Ça, c'est un super pouvoir de ouf. Direct, t'es Dieu. J'ai raison ou pas? Ouais. Il y a des femmes ici, elles disent que j'ai raison. En fait. Elles ont toutes fait. Non, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là. Ce serait pas mal. Quel est le mot que tu dis le plus souvent? De ouf. Deux mots. De et ouf. Quel est mon plus gros défaut? J'en ai plein. Ça, c'est ce que tout le monde dit, je pense, dans l'interview. J'en ai plein. Ils commencent tous par dire j'en ai plein. J'ai des oreilles cheloues. Comment? On dirait les elfes du Père Noël. Je pense, dans une vie antérieure, j'étais un elfe. Quel est ton pire souvenir? J'ai plein de souvenirs un peu tristes. Après, j'essaie de me rappeler seulement des moins tristes, en fait. Des souvenirs les pires, mais ceux qui te font rigoler. Quelle personne t'inspire le plus? Il y en a beaucoup. Il y a déjà mon papa qui m'inspire beaucoup, ma maman aussi, mes amis, ma famille. Après, en chanteur, il y en a plein. Il y a Michael Jackson. Il y a. Moi, je suis un grand fan de musique, donc tout m'inspire. Tout et n'importe quoi. Je pense que vous avez découvert quelle était la question. Quelle est la pire grimace que tu puisses faire? Je dirais rien d'autre. Tu vas suivre la Coupe du Monde. Si oui, quelle équipe supportes-tu? C'est facile et pas facile en même temps. Moi, le problème, et c'est pas un problème, c'est super, c'est que je connais certains joueurs de l'équipe du Portugal. Je suis ami de Cristiano, par exemple. Donc, j'aimerais beaucoup que le Portugal gagne. Mais en même temps, je suis franco-portugais. France-Portugal en finale. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée? Je rigole, je sais pas. Je resterai avec moi toute seule pendant toute la journée, en fait. C'est ça. Toute la journée, je serais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je me gratte. Quel est ton endroit préféré? J'aime beaucoup Lisbonne. Et je commence à aimer de plus en plus aussi Paris. L'objet qui te tient le plus à cœur? Je peux pas le dire. Là, je peux pas, je suis désolé. Je pense qu'on va passer. Qu'est-ce que tu chantes sous la douche? Obrigado la famille. Est-ce que tu étais bonne élève à l'école? J'ai commencé par être un très mauvais élève jusqu'au moment où j'ai redoublé mon CM2. Donc pour redoubler son CM2, il faut être fort quand même. Et je me suis dit non, il faut que je commence à étudier. Et après, heureusement, je suis devenu un bon élève. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je me suis mis à bosser peut-être. Raconte-nous quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. J'ai un frère jumeau. C'est faux. Mais je l'aurais dit quand même. Ceci était mon regard le plus irrésistible. Je pense qu'il marche souvent. Peut-être pas. Si tu étais en compétition avec Bastian Becker pour sortir avec une fille, qu'est-ce que tu ferais pour gagner? Si c'est avec une Belge, je pense que j'utiliserais la seule expression belge que je connais, qui est, je vais le répéter, je suis chaud comme une baraque à frites. Si c'est portugais, je dis je suis chaud comme une baraque à frites. Et si c'est français, je sais pas encore, mais,
Je pense que je me débrouillerai. Pour l'instant, je me débrouille très bien, ce soit en belge ou en portugais. Je me débrouille bien, je pense. Est-ce que tu peux faire une figure de gymnastique roue cumulée? En fait, je suis un très bon gymnaste. Mais tout à l'heure, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'arrive là, je me sens pas bien. Mais normalement, je le fais. Je me réveille le matin, je fais une roue, je fais une pirouette en arrière. C'est normal, c'est comme ça que j'aime bien me réveiller, comme ça, en souplesse. Quelle est la question que tu aurais voulu qu'on te pose et la réponse? T'as chaud? J'aurais répondu non, non, ça va. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire grimper l'audience de cette vidéo? Et je sais ce que Bastien a dû faire, mais je le ferai pas. Il s'est mis à Walp. Non. Non, je le ferai pas non plus. Je pense que je vais ressortir la seule expression que je connais en belge. Là, j'en connais une autre, mais je peux pas la sortir, celle-ci. Sincèrement, je sais pas ce que je ferais pour faire grimper l'audience, à part dire que j'aime la Belgique, que ce soir, on va beaucoup s'amuser. Et voilà. NRJ.